Ça, c'est peut-être une des premières lectures que j'ai eues qui m'a marqué. Et j'étais adolescent, je devais être en 6e ou en 5e. Et jusqu'à présent, on nous faisait lire plutôt des pièces de théâtre, donc classiques. Et là, un jour, la prof de français a eu l'idée de nous faire lire un roman policier, déjà, de Laird Koenig, qui s'appelle La petite fille au bout du chemin. Donc, c'était une histoire d'adolescent. Et c'est vrai que cette lecture, moi, m'a électrocuté, en fait. J'ai eu vraiment un coup de foudre pour ce roman. Et c'est vrai que je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu la petite étincelle et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais moi aussi écrire et pouvoir raconter des histoires et les transmettre, en fait. Je crois que c'est peut-être la lecture qui a allumé la flamme.